C'est un rapport en plusieurs volumes que le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, a remis au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des résultats obtenus dans la recherche des causes profondes de la crise ivoirienne, de la vérité, du processus de réparation, du mémorial et des recommandations. Pendant près d'1 h 30, Charles Konabani a fait un compte-rendu précis du mandat de 2 ans de la CDVR. La CDVR qui a pour mission d'œuvrer à la réconciliation et au rétablissement d'une paix durable entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous avons fait des recommandations au titre du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous pensons qu'il faut rendre effective l'application de la loi foncière, gérer la pression foncière liée au phénomène migratoire, renforcer l'autorité des chefs traditionnels dans la gestion du foncier rural, promouvoir les échanges socioculturels inter- et intra-ethniques en vue d'une meilleure intégration sociale, reconstituer et fiabiliser les registres d'état civil. Au titre de la lutte contre l'injustice, les inégalités, le tribalisme, le népotisme, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, prendre en compte le genre dans l'élaboration des politiques de développement, mettre en œuvre une politique qui favorise la parité dans l'attribution des postes nominatifs et électifs au sein des institutions de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a suivi avec beaucoup d'intérêt ce rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. C'est un travail impressionnant, surtout en si peu de temps. Nous avons également pris note des principales conclusions qui sont essentielles pour avoir une paix durable dans notre pays. Parce qu'en réalité, c'est de cela dont il s'agit. La réconciliation, la solidarité nous permettront de vivre dans la paix, une paix durable, une paix équitable, de tourner la page et de faire en sorte que nous réapprenions à vivre ensemble comme cela a été pendant des décennies. En définitive, nous devenons tous des nostalgiques parce qu'on se dit, mais c'est quand même pas vrai. Il y a quelques années, tout allait bien en Côte d'Ivoire. Et vous avez bien choisi le point de repère des difficultés que notre pays a connues, 1990, donc pendant pratiquement 2 décennies. Ce travail est essentiel. Je vais remettre ce rapport à Monsieur le Premier ministre et le ministre chargé des Relations, que le gouvernement puisse l'exploiter. À une autre occasion, je souhaiterais rencontrer toute la commission, si vous le souhaitez, ou le bureau de la commission, pour que nous puissions échanger de manière plus approfondie une fois que j'aurai les recommandations du gouvernement. Je voudrais aussi vous dire qu'en anticipation de notre rencontre, j'ai consulté des pays où ces commissions ont eu à travailler, le Libéria, le Rwanda et d'autres pays, la Sierra Leone. Et quelquefois, ces rapports ont été envoyés au Parlement. Mais j'estime que le moment n'est pas venu de saisir le Parlement de ce rapport. Nous avons besoin d'en discuter entre nous, de voir comment nous pouvons aller plus loin, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre, et comment faire en sorte que nous ayons une justice équitable, mais que nous ayons également le sens du pardon et de la générosité. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de générosité et de pardon dans une société, les choses ne marcheraient pas. Ce rapport de mission de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation révèle que 40 000 fiches individuelles de déclaration ont été répertoriées. 37 commissions locales mises en place, ainsi que des plateformes des organisations locales. La réalisation d'une cartographie de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce qui reste à faire,
l'audition des victimes, des auteurs et des témoins de violations des droits de l'homme, tout comme la tenue d'audience publique, l'estimation des réparations et le lancement des activités du mémorial.